Alors maintenant, je vais accueillir le professeur Alain Deloche qui m'a fait le plaisir de venir. Alain Deloche, si vous voulez me rejoindre. Alors vous avez connu, pendant que je vous présente, on va passer une petite vidéo qui fait partie de votre présentation. Vous avez connu les premières heures de... Vous voulez l'arrêter. On va l'arrêter parce que vous voulez la commenter. Bon, alors, il y a une introduction. Donc on l'arrête. Alors, vous avez connu les premières heures de la chirurgie cardiaque, et entre 2000 et 2010, vous êtes à la tête du pôle cardiovasculaire de l'hôpital Georges Pompidou. Vous êtes membre de l'Académie de chirurgie et professeur émérite à l'Université Paris-Descartes. Votre carrière est brillante. Je ne vais pas citer tous vos titres. Je vais juste donner un chiffre qui va parler aux Anguénois. C'est à peu près 3 fois la population d'Anguin qui est passée sur votre billard pendant votre vie. Bah, ça fait 30 000. Ah bon. Hein, 3 fois 12 000, ça fait à peu près 30 000 les opérations. Hein. Donc voilà, moi je pense que ça s'applaudit quand même. Ça. Alors, vous êtes aussi également connu pour votre engagement, hein, puisqu'en 1972, vous êtes cofondateur de Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner. En 1980, vous êtes cofondateur de l'association Médecins du Monde, dont vous avez été le président de 84 à 87. Et en 94, alors là, vous fondez la chaîne de l'espoir pour venir au secours des enfants victimes de malformations cardiaques qui sont nés dans des pays où la chirurgie cardiaque n'existe pas. Alors, cette aventure et des milliers de vies sauvées que vous allez nous parler. Hein, mais avant, moi, j'avais un petit mot personnel à vous adresser. Quand je vous ai rencontré, j'avais à la fois très envie de vous connaître parce que, et puis j'avais très peur aussi de vous rencontrer. Très envie de vous connaître parce qu'il y a longtemps à la radio, je vous ai entendu, je me suis dit, ce gars-là fait des trucs formidables, la chaîne de l'espoir, c'est un truc génial. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que je trouve un moyen, je ne sais pas, de m'investir ou de l'aider ou quelque chose. Bon. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur l'édition des OME consacrées au cœur, bon, bah, ça m'est revenu tout ça, je me suis dit, bon, il faut absolument que je rencontre Alain Deloche. Et puis, au moment de vous rencontrer, quand on rencontre quelqu'un qui est un peu un héros, un mythe, une idole, on se dit qu'on a envie que ce gars-là soit à la hauteur de son mythe. Et j'avais envie que vous soyez à la hauteur du héros. Et puis, je dois dire que bah, vous ne m'avez pas déçu. Vous êtes vraiment un gars bien. Et je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on vous réapplaudisse encore. Voilà, la chaîne de l'espoir. Bon. Ben, vous mettez la barre haut. Non, pas un héros. J'aime mon métier. Je suis un passionné, depuis le début d'ailleurs. C'est vrai que, je ne sais pas si on se tutoie, non, c'est plus facile. On fait ce qu'on le veut. Le héros tutoie. Le héros tutoie, voilà. Du moment c'est vrai, quand tu es venu me voir, ben, je t'ai dit, c'est la journée mondiale du cœur, on parle du cœur, eh bien, ça tombe pile poil. La chaîne de l'espoir, sous l'angle de l'enfant cardiaque, bah, on est dans la cible. L'enfant cardiaque, ce méconnu, un besoin qui touche le monde entier. Et quand même, un petit point d'histoire, la chirurgie cardiaque a été fondée à propos de l'enfant cardiaque. Les premiers cœurs ouverts, 1955, le prince est parti, il a parlé de Minneapolis, c'est là que ça s'est passé aussi. Les premiers malades opérés à cœur ouvert n'étaient pas des adultes, c'était des enfants victimes de malformations de naissance. Donc l'enfant cardiaque, je pourrais en parler des heures, mais tu m'as donné combien de temps? 10 minutes, 20 minutes? 20 minutes. Bon, mais allez, je prends le temps qu'il faut. Hein. Voilà, pas de clochette pour les héros. Ah non, pas de clochette là, c'est pas possible. Alors, première chose, un aspect historique. Et puis, deuxièmement, je sais que vous ne connaissez pas bien l'enfant cardiaque. Alors, bien sûr, on en parle par le diagnostic anténatal. Révolution. Vous savez maintenant le parcours. Vous savez que le cœur, à 28 jours, est formé. On fait un écho. Le cœur qui fait à peu près ça, il est agrandi par effet loupe. Et on staffe, vous savez ça? On staffe pour l'avenir de l'enfant. Enfin, c'est une révolution, ça.
c'est une révolution, et on crée éventuellement un programme thérapeutique qui fait que l'enfant peut naître et le SAMU est là et on emmène l'enfant qui n'a même pas un jour pour aller faire une chirurgie à cœur ouvert réparatrice. Vous vous rendez compte le progrès ? Ça, c'est l'aspect le plus inquiétant, si vous voulez, le plus délicat, c'est ce fameux staff. Vous vous dites, l'enfant a cela, a ceci, on peut l'opérer. Quels sont les résultats ? On peut vous les donner. Et bien sûr, le problème des malformations graves, qui est, est-ce qu'on va vers, vous voyez la discussion, extrêmement délicate. Bon, donc l'enfant cardiaque, vous le voyez comme essentiellement des malformations de naissance, et vous avez raison, 10 pour 1000, le chiffre est le même maintenant et partout dans le monde. Partout dans le monde. Il n'y a pas plus au Mali que... Non. Et puis, vous allez le voir, on peut rajouter pour l'enfant cardiaque le fléau de ce qu'on appelle dans notre jargon le rhumatisme articulaire aigu, qui a disparu de nos contrées, que moi, étant interne et externe, j'ai connu, bien sûr. Un signe. On a supprimé du programme des études de médecine le rétrécissement mitral. Ça m'a foutu un coup de vieux. Hein. Moi qui ai appris Rumtatafouz, on a appris ça par cœur, supprimé. À juste raison. Car de fait, le rhumatisme a été éradiqué, ce qui n'est pas le cas pour 2/3 de la planète. Donc, on va voir, je vous construis peu à peu ma salle d'attente. Donc, Jean-Claude, tu as bien fait d'inviter la chaîne de l'espoir pour la journée du cœur, parce que la chaîne de l'espoir a été créée à propos de l'enfant cardiaque. Et c'est le principal de notre activité, toujours. Alors, je ne vais pas faire la théorie. C'est pour ça que j'aime bien ce petit film. La chaîne de l'espoir a été créée en 1995. Plutôt que de faire des historiques, je vais vous résumer 25 ans en 3 minutes de film. On va gagner du temps. Le film. Plus 5 ans, hein, 25 ans. Hein. Les commentaires du film. Je l'ai fait. Salle d'attente. Regardez. C'est notre salle d'attente. Thank you.
et construire. Alors, pendant qu'on voit tous ces bâtiments que vous avez construits au fin du monde, ce qu'il faut dire, c'est que cette salle d'attente qu'on a vue au début, tous ces enfants qui sont à cette d'attente, ils sont pas allés. De façon générale. Condamné à plus ou moins près de ça. Sans la chaîne de l'histoire. Bien sûr, je suis touriste. Alors, toujours pareil, quand on voit les bâtiments, vous m'avez dit un jour, c'est que, en fait, ces enfants, on prend toujours cette salle d'attente, ces enfants qui sont à salle d'attente, on les soigne. C'est mécanique. Donc c'est propre à la chirurgie. Voilà, donc beaucoup bon, ben ça, c'est pas mal parce qu'on verra ça à la fin. On peut peut-être même s'arrêter là. Okay. Voilà, on va refaire ça. Donc, voilà. Les diapos suivantes. On reste un petit instant là. C'est la pédagogie par l'exemple. Je vous présente Leïla. Leïla, je l'ai trouvée un matin en bas de mon hôtel. C'était à Kaboul lors d'une visite officielle de Madame Chirac. C'est comme ça. C'était même pas dans un hôpital. D'ailleurs, elle n'était pas seule. J'étais entouré d'enfants cardiaques. Et je ne sais pas si vous avez un diagnostic. Qu'est-ce que vous évoquez? Un enfant qui a une ascite, début d'œdème. Voilà, nous sommes à Kaboul. Je n'ai pas d'écho, bien sûr. J'ai un stéto, mes mains. Vous évoquez quoi? Non, on ouvre le débat ou on n'interroge pas? Non, on n'interroge pas. Vous avez un diagnostic? Non. Ben moi, je me suis trompé, en tout cas. Bon, j'ai dit, voilà encore une péricardite tuberculeuse. Péricardite constrictive. Alors j'ai fait le grand médecin. Oui, péricardite, laissez faire, c'est rien, on ouvre, on décortique. Très bien. Et ces enfants et quelques autres ont bénéficié du voyage officiel. Hein, Madame Chirac, elle a son avion, Madame Chirac est formidable. Je lui ai présenté ce cas. Oui, à quoi tient la vie, hein? C'est des romans, nous. Et Mme Chirac, j'adore Mme Chirac. On la prend, il n'y a pas de discussion. Et pour les papiers, on verra. Donc, clandestine complète, avec son gros ventre. Et elle arrive à Broussais. Et là, c'est une leçon d'humilité. Daniel Sidi Necker fait l'écho, diagnostic. Endocardite. De l'aval pulmonaire, endocardite qui touche la tricuspide et à la base une malformation de naissance, bien sûr, et donc il n'y a plus de péricardite tuberculeuse. On l'opère. J'ai dit, vous êtes d'accord, on prend un peu son temps parce que c'est ça, c'est on manie, les familles d'accueil sont là, on manie des espèces de miracles. Donc, on la met en salle d'opération, on ouvre arrêt cardiaque. Avant le cœur ouvert, hein, avant la machine. Et j'étais en salle d'opération, moi je disais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous voyez, la tension qui arrive, l'électroencéphalogramme est plat. Bon, qu'est-ce que vous faites? On arrête? Vous voyez, on arrête? Et moi, nous avons, et je ne suis pas le seul, nous avons l'expérience que pour les enfants, on ne peut pas avoir de jugement définitif. Même un électroencéphalo pas bon, et j'ai dit, on continue, on finit. Donc, l'opération dure 10 heures, quand même. On la remet en réa, et un jour et demi plus tard,
à peine 48 heures, la réanimatrice m'appelle, me dit « Monsieur Deloche, je tenais à vous dire que Leïla, elle s'appelle Leïla, a ouvert les yeux. » Là, on se dit « Le miracle existe. » Elle avait une attache à la vie, cette fille. Donc, voilà, elle est là. D'ailleurs, je surveille son carnet scolaire depuis 10 ans. C'est une petite jeune fille agréable, polie, formidable. J'ai vu ses parents. Je suis le tonton de cette petite afghane. Oui. Alors, vous dites, c'est quoi la chaîne de l'espoir? Ben, c'est pas que des chiffres, hein. C'est de l'humain. Ça, c'est... Vous voyez ce que je veux, où je veux vous entraîner? C'est ma passion, ça. On peut le faire avec Madame Chirac, par exemple. Mais parce qu'elle était là. Parce qu'elle était là, tout, chacun, suivant. Je ne vais pas vous en faire toute l'après-midi, mais moi, je peux vous faire toute ma salle d'attente, si vous voulez. Le suivant, c'est qui? Oh! Oh là là! Oh là 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 là! Sotket. Nous sommes au Cambodge. Vous ne pouvez pas le voir. Ça, c'est dans les livres de médecine de 1932, quoi. Ça s'appelle la position fœtale d'une insuffisance cardiaque au dernier stade. Je peux raconter l'histoire ou pas? Non? Tu me donnes du temps? Oui, oui. Bon, alors voilà. Donc, je vous fais vivre les choses, d'accord? C'était le moment où nous étions au Cambodge, nous avons créé une unité. Et donc... Je sors de l'avion, on sort de l'avion et on va en réanimation. C'était ça, hein. On allait directement à l'hôpital. Je fais la visite avec le résident cambodgien, formé, très bien. Et je vois vaguement cet enfant dans cette position, avec une couverture sur la tête. Et je lui dis au résident, alors, et lui, il ne m'en parle pas, il parle des autres, mais pas de lui. Et il me dit... Il est très malade. Je dis, et alors? Et il a un mauvais karma. Oh là là, là c'est, on n'est pas habitué à ça. Et je lui fais une plaisanterie qu'il n'a absolument pas compris. J'ai dit, karma pour karma, on va voir si mon karma est plus fort que le sien. Il n'a pas du tout rigolé. Et donc, cet enfant a été opéré le soir même, avec Christophe Accard. On n'a pas pu l'endormir allongé. On l'a endormi assis contre des cartons. Ça, c'est la propre d'insuffisance cardiaque. Ils ne peuvent pas s'allonger. Il était mourant, quoi. Insuffisance mitrale rhumatismale. Bon, on avait les dieux avec nous, ou le karma. Ce qui fait qu'on lui a réparé sa valve mitrale, que cet enfant, certes, était un peu difficile à traiter dans le post-op, mais enfin, les enfants récupèrent vite. Hein. Et puis, 3 mois après, le voilà le petit Sotket à qui on a offert la scolarité. Tout est accompli, non? Ah ben, c'est accompli. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est multiplier ça, donc je ne vais pas encore... Alors, je vais vite sur les autres cas, parce que... Mais enfin, c'est quand même ma salle d'attente. Hein. Le suivant, c'est qui? Ah ben, c'est Moussa. Je vous présente Moussa. Typique, là, l'œil des médecins, je sens, s'allume, là. Stock, insuffisance mitrale, cachexie mitrale. Ils ne peuvent pas prendre de poids. Je n'ai pas besoin de l'ausculter. Chouf systolique, machin, paf. Rhumatisme, ouais. Pauvre, oui, c'est la maladie des pauvres. Proximité, tout ça. Angine, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Est-ce qu'il a fait une angine? Bah, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, il était opéré en France, réparation mitrale, vive Carpentier. C'est pas formidable, non? Moussa, heureux, il a repris 10 kilos. C'est ça, le miracle. Alors, suivante, c'est qui? Ça, c'est triste. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une jeune Fallot, tétraplégique Fallot, hein, enfant bleu. Alors en France, elle aurait été détectée, opérée dans les 6 premiers mois. Je ne vous refais pas le schéma. Mais là, elle a 10-12 ans.
On l'a opérée avec l'équipe de Toulouse et elle est morte. Voilà, et ça nous a, je la vois encore, c'est quand on a vu la famille, et la famille nous a remerciés. Parce qu'elle n'est pas morte, elle est morte avec une tentative de soin. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a ces pertes injustes, révoltantes, révoltantes. Ce n'est pas normal que cet enfant en meure. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dire, oui, ben voilà, il y a deux mondes. Non, on ne peut pas. Il faut être révolté. Il ne faut pas accepter. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne de l'espoir. On n'accepte pas. Alors on y va. Si on n'accepte pas, on y va. Alors on y va. Suivante. Bon, ça c'est juste pour vous. La salle d'attente, que ça soit au Cambodge, au Sénégal, au Mali, c'est la même. Ces chiffres sont basés sur plus de 15 000 enfants. Oui, plus de 15 000, ça commence à... Voilà, il y a un peu plus de congénitaux qui ne sont jamais des congénitaux de un mois. Hein. C'est des congénitaux qui ont survécu au cap de la première année, en général, puisqu'il n'y a pas d'anténatale. Donc, quand même, légère prédominance pour les enfants de moins de 16 ans. Si on fait 18 ans, le rhumatisme va venir, parce qu'en jaune, c'est le rhumatisme, principalement. Hein. Donc, ce chiffre, il est certain. Suivante, c'est quoi? Oui, ben ça, vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur les pathologies. Mais donc, quand même, il y a une dizaine d'affections cardiaques graves qui touchent l'enfant. Et comme j'adore l'enseignement, je suis centré sur ces 10 maladies ou ces 10 opérations, écartant un peu le complexe. Parce que le complexe, c'est autre chose. Suivante. Alors, bien sûr, première étape, qui continue d'ailleurs, faire venir les enfants en France. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est un conte de fées pour chaque enfant. Famille d'accueil, on est d'accord. C'est... Alors, on a été pris d'une grande réflexion dans les années 95, 96, 97, en disant, on ne va pas faire venir toute l'Afrique, tout le Cambodge à Paris, ou en France. C'est pas logique, quoi. Alors, bien sûr que c'est très utile. Je signale que le système continue, que deux enfants par semaine en moyenne arrivent en France, pas seulement à Paris, mais toute la France. Même système à Bruxelles, même système à Londres, etc. On a essaimé, hein. Mais ça ne suffit pas. Ce système continue, il est magnifique, il est rodé. Et ça, c'est le premier pas. Mais bien sûr, le deuxième pas, c'est d'aller dans le pays. Alors, suivante. Alors ça, c'est un exemple d'une mission, d'une des premières missions au Cambodge. Vous voyez, quand on dit se déplacer, je ne pars pas seul avec mon stéthoscope. Hein, j'ai quand même une sacrée équipe. Je peux vous dire que ça, c'est des professionnels, des infirmières de réa, des anesthésistes, des réanimateurs. Et il faut être prêt à opérer dans des conditions un peu difficiles, on va dire. Hein. La panne d'électricité, c'est rien, on s'y attend. Mais plus d'oxygène, qu'est-ce que vous faites? Un jour, j'ai pris feu. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pris feu. Ben, on a éteint le feu. Enfin, il y a le malentendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut être rompu à l'imprévu. Donc, vous voyez, une équipe solide avec, bien sûr, des locaux. Il y a des chirurgiens cambodgiens. Donc, suivante, je vais aller vite, juste illustrer. Bon, ça, alors là, un quart d'heure après, j'ai fini à la torche. Ça aussi, c'est possible. C'est une bonne torche quand même. Hein. L'électricité, c'est fini. Quand ça saute, ça saute. Et alors, j'ai demandé l'explication après. Je ne dis pas le pays où c'était. Mais il y a un anesthésiste qui me dit, on a trouvé la cause. J'ai dit, oui, mais là, il n'y a plus d'électricité. Ce sont les singes. Ça, on n'a pas ça à Georges Pompidou. Hein. C'est les singes. C'est évident. Il faut le savoir, quoi. Bon, alors donc, on a fini à la torche, mais bon, voilà, c'est l'ambiance, quoi. Pas toujours comme ça, quand même. Hein. Suivante. Diarra, le maître absolu du Mali. On en parlera du Mali parce qu'on a fait le premier cours ouvert en septembre. Vous n'êtes pas en retard, là. Diarra, le saint. C'est un saint. Travaille toute la journée,
il mange pas. Juste un petit peu de thé, puis une petite graine, je ne sais pas ce qu'il mange, une petite graine. Il n'a jamais faim. Et alors, alors lui, il a 3700 enfants en attente. Voilà, il a son bouc, comme il dit. Les cahiers du malheur, comme il les appelle. Et il barre les noms. Suivant, bon, formé, bon. L'écho, ouais. Allons-y, ça vous est compris. Suivante, enseignement théorique, faut y aller. Et simplifier, hein. Simplifier, c'est pour ça. Et on en a parlé tous les deux. Quand on me dit, faites-le venir en France pour se former. Là, je ne sais plus. Je vous raconte encore une histoire. On forme un Cambodgien, très bien, à Nancy. Parfait, le type. Il rentre au Cambodge. On fait un staff, les infirmiers, Et puis, ouais, très bien. Puis, à la fin, on finit la réunion. Et il se lève et il me dit, vous connaissez le Cambodge, professeur, qu'est-ce que l'on décide pour les RTT? Il avait bien profité de son stage. 35 heures, ça existe aussi au Cambodge. Il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Mes réserves sont, quand vous êtes à Necker, enfant malade, par exemple, la technologie, la technique, vous savez, maintenant, on fait... Avant d'ausculter, on fait un IRM. Hein. Maintenant, l'IRM, le truc, puis on... Voilà. Au Cambodge, l'IRM, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, c'est un vrai débat. Et on privilégie, tant que faire se peut, la formation sur place. Donc, c'est à nous de nous déplacer. Avec les conditions qui doivent être acceptables, bien sûr, aux normes. Mais enfin, quand même. Suivante, alors, on va vite sur la formation. Formation, ça... Vous voyez, former tout le temps. Vous voyez, la masse des gens qui regardent. Vas-y, suivante. Ça, c'est en réa. Parce que maintenant, on utilise bien sûr les échos en réa. Ces petits échos portables, formidables. Ça, c'est un progrès, grand comme un ordinateur. Formidable, ça, le progrès. Suivante. C'est quoi, c'est une panne? Non. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant le progrès, on n'arrête pas le progrès. Ça, c'est Daniel Sidi qui est en train de parler, qui est le collègue cambodgien en direct. Parce que maintenant, vous voyez, ça c'est formidable, on fait des échos à distance. C'est-à-dire, Sidi commente, formidable ça. Ça pour la formation, c'est utiliser la technologie moderne, ça. On peut être que pour. Suivante. Alors là, Je m'arrête. Vous connaissez la sécurité sociale, oui? Assurance maladie, oui? C'est automatique pour vous, hein? C'est même un droit. C'est un droit. Non? On peut ouvrir la discussion, mais c'est quand même plutôt un droit, quoi. Enfin, en tout cas, si... bon. Vous faites 6000 km, 12000. La sécurité sociale, mais c'est quoi? C'est la famille. On vend le buffle. On fait la tontine. Mais comment on fait? Et nous, on est obligé d'inventer. C'est ça qui nous sépare. C'est la non. Alors, on fait des projets d'assurance universelle pour couvrir les angines et les diarrhées. Et quand on arrive dans ce domaine-là, alors, curieusement, là, je vous donne un tableau simple. Et là, c'est juste pour un fonctionnement d'hôpital, parce que quand on construit l'hôpital, nous, on ne part pas, ce n'est pas clé en main. Hein. On est confronté à la gestion. Alors, à la gestion, quand il n'y a pas d'assurance maladie, vous faites quoi? On va voir le ministère qui nous dit l'État est pauvre, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais bon, en tout cas, le pourcentage du PIB, etc., etc. Et donc, on invente des systèmes qui sont quand même basés sur la gestion privée. Mais c'est curieux, moi, homme du public, je viens dire la gestion du type privé, c'est-à-dire très souple, flexible, avec des bases forfaitaires, vous voyez. C'est quand même 2300 euros le couvert, on me dirait, c'est très très cher. Ben, en France, vous rajoutez un zéro, hein, facile. Facile, on travaille au dixième du coût.
Les salaires, c'est rien du tout. Georges Pompidou, 77% les salaires, 25%. Et encore, bien payé. C'est pas... Alors ça, on ne va pas rester des heures sur ce tableau, mais il y a tout. Donc on jongle, on fait la tactique de Robin des Bois. Que c'est Robin des Bois ? Ben, c'est le héros, c'est moi. J'ai fait ça. Voilà ! Repérer les riches. Je peux vous raconter... Non, mais tu me limites ou pas ? Un peu quand même, là, maintenant. Un peu quand même. Bon, alors, Robin des Bois, je prends aux riches, je donne aux pauvres, d'accord ? Allez, on y va. Suivant. Bon, ça, j'ai pas le temps, mais c'est essentiel, Jean-Claude. C'est essentiel, ça. Me culpabilise. C'est essentiel, quand même. Comment travailler dans ces pays ? Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau. Vous ne le connaissez peut-être pas, vous avez entendu parler, que Carpentier a inventé pour réparer les insuffisances mitrales. Eh bien, sur le marché, ça vaut 1 000 euros. On ne peut pas se payer ça, nous. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a inventé notre propre anneau que l'on fabrique au bloc opératoire. Le coût, c'est même pas 1 euro. Mais je ne peux pas le vendre. Et donc, pourquoi on ne fait pas ça en France ? Ça, c'est un autre débat. Il faut le marquer Union européenne, etc., etc. Donc ça, voilà comment il faut faire. C'est avoir une autre mentalité. Suivante. Non, ça, on passe. C'est comment on fait l'anneau. Bon, on construit, on bâtit. Est-ce que je peux passer quand même un dernier film sur on bâtit, non ? Allez. Allez. Oh, c'est important, non ? Bâtir. Vite dit, hein ? Vite dit. Vous croyez que l'argent vient comme ça, là ? Moi, chaque fois que je vais au Quai d'Orsay, on me dit, c'est bien ce que vous faites, professeur. C'est vraiment épatant. Hein. Épatant, épatant. Et quand je dis, est-ce que vous pourriez peut-être m'aider ? Pour 2020, c'est trop tard. Il faudrait revenir en 2022. Où il y aurait peut-être une occasion. Je vous demande de la saisir. Moi, c'est tout de suite. Alors, on passe le petit film, non ? Alors, on bâtit maintenant de façon stéréotypée. Et dans le film, il y a la théorie des boîtes. C'est ce qu'on appelle mes cubes. Comment je construis un hôpital dédié au cœur et principalement à la cardiopédiatrie ? J'ai standardisé pour être plus pratique. Et un Américain m'a dit, en voyant voilà, un exemple d'institut, il m'a dit, finalement, Alain, c'est les McDonald's du cœur. J'ai trouvé ça un compliment. Vous voyez, McDonald's, c'est toujours pareil. Là, c'est pareil. Alors, on fait le petit film, Jean-Claude ? Je ne peux pas dire non. Bah non. De toute façon, je ne peux pas. Non, là, on va au film. Ah, voilà, salle d'attente, là, toujours. Hein, on y va. Malisa. Allez, c'est quand même quelque chose, hein ? Voilà. Chaque consultation, vous voyez, 120 enfants. Comment on choisit ? Ben voilà. Des règles médicales. Heureusement qu'on a la médecine. Voilà, partout, vous voyez. Cambodge, Kaboul, c'est toujours les mêmes salles d'attente. Hein. On ne s'habitue jamais. Non, on ne peut pas. Alors, tout a démarré au Vietnam. C'est là où, avec Carpentier, on a standardisé les choses. On a... Ensuite, Phnom Penh. Mozambique, ça, c'était opportuniste. Afghanistan grâce à l'Aga Khan et Madame Chirac. Combien de centres aujourd'hui dans le monde ? 7 pour l'instant. 7. Ça va faire 8. Donc vous voyez toujours. Ça, c'est le Sénégal.
dont le financement est venu de Monaco. Monaco. C'est pas le drapeau français, hein. Ça, c'est le Mali qui vient d'ouvrir. Donc, on a fait la première CEC, premier cœur ouvert, le 10 septembre. Et... Alors, c'est les meilleurs chirurgiens. Hein. Ça, on ne peut pas envoyer des... Non, il faut envoyer les bons. Hein. Alors, bien sûr, la cardiologie interventionnelle se développe. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais bien sûr, supplée la chirurgie maintenant. Ça, c'est la réa clé, clé, clé du succès. Mais une réanimation standardisée au plus simple. Hein. Regardez ça, c'est pas... Alors voilà mes cubes. Regardez bien, c'est le message. Ah, c'est simple, non? J'espère beaucoup de Bouygues. Je vais aller voir Martin Bouygues pour ça, avec mes cubes. Il va trouver une solution. C'est tout à fait le McDonald's, non? Je mets l'AREA, je mets l'hospit, pharmacie, administration, il faut quand même. Hein. Alors, je fais un pavillon des enfants pauvres à côté, pour les enfants qui viennent de province. Alors, je le mets comme vous voulez, hein. Je le mets comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Et ça, c'est les satellites. Ça, c'est intelligent. Un centre de référence et des satellites reliés. Ben, je crois que là, on peut arrêter. Vous avez vu les cubes, vous avez compris. Donc, conclusion. L'enfant cardiaque, c'est un problème de niveau mondial. Mondial. Notre, vous voyez que je prends le nôtre, hein, notre liste d'attente, notre salle d'attente est pleine. Notre liste d'attente est impressionnante. Et la liste d'attente en médecine, c'est différent. On a parlé de la greffe cardiaque tout à l'heure. Il y a des listes d'attente pour greffe. Là, c'est liste d'attente pour la vie, hein. Des enfants qui sont en liste d'attente, qui ont un diagnostic, un pronostic, c'est pesant. Et donc, qui paye? C'est mon dernier mot, mais je le répète. Qui paye? Les États. Ouais, les États. Ouais. Tous. Ouais. Ouais. On peut bien faire ça, non? Enfin, moi, c'est, je suis révolté, vous savez. C'est quoi? C'est un hôpital, c'est même pas un tank. Ça, c'est idiot. On me dira, ça fait idiot. Ben, je ne sais pas, trouver un exemple. Ça fait même pas. C'est 6 millions d'euros, hein, les cubes. C'est pas énorme, quand même. Alors, qui paye? Donc, le but de mon discours, c'est d'avoir des dons. Le but de mon discours, c'est d'avoir des familles d'accueil. Le but de mon discours, c'est d'avoir des médecins qui nous rejoignent. Et c'est l'affaire de toutes et de tous. Voilà, c'est simple. C'est pas normal qu'un enfant cardiaque meure injustement. Et c'est le chirurgien qui vous parle. Parce que je vous parle pas de choses complexes. Une malformation congénitale, éventuellement, c'est un orifice anormal qu'on appelle CIV, communication interventriculaire, qui prend quoi, 10 minutes à fermer. Enfin, si on ne la ferme pas, cette communication, l'enfant meurt d'hypertension pulmonaire, quand même. Hein, c'est, je ne vous parle pas de greffe de moelle, de trucs, non, de choses simples. Enfin, bien sûr, simples. Si, simples. Voilà. Alors, Jean-Claude, merci de m'avoir donné la parole.